Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous le reconnaissez peut-être ce jeu, c'est tout simplement un nouveau let's play aujourd'hui. On se retrouve sur Assassin's Creed Origin. Alors oui, je sais, je fais un let's play sur le jeu au moins plus d'un an alors qu'il est déjà sorti, alors qu'il y a déjà plein d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, dont Dranisan qui en a fait quelques-unes dessus. Mais voilà. Ça fait un moment que j'avais ce jeu dans le viseur, un moment que je prévoyais de l'acheter, après j'attendais juste qu'il y ait une promo ou autre. Et du coup, ben là en plus, ils ont prévu l'Assassin's Creed Odyssey en fin d'année, que là c'est sûr je vais l'acheter. Alors je me suis dit, écoute, là en ce moment il y a une promo sur Origin, il est à 40€, donc hop, je l'ai pris quoi. Et du coup, ben, je vais faire un let's play dessus, après je vous le dis tout de suite les gens, je vais pas faire le jeu à 100% en vidéo, hein, voilà, ça veut dire que je ferai des vidéos dessus. Mais des fois je jouerai aussi de mon côté tranquillou, voilà. Mais sinon voilà, je vais faire des vidéos sur ce jeu. Ça va être un let's play vraiment de fou, hein. Comme dit, je ne connais pas le jeu, je n'ai jamais regardé de vidéos dessus, à part bien sûr celle de Dranisan. Mais sinon, j'ai jamais vraiment regardé des vidéos sur le jeu. Je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas quel est vraiment le but et tout. Donc ça va être de la découverte totale pour moi quoi. Donc c'est parti, on va tout simplement lancer le jeu, hein. J'espère que ça va bien au niveau du micro et tout. Normalement j'ai fait quelques tests, ça devrait être good. Même s'il y a un petit bruit en fond et tout, mais ça malheureusement je peux rien y faire. Donc c'est parti, on lance le jeu, nouvelle partie. En plus c'est cool, on peut faire plusieurs parties, ça c'est vraiment cool. Alors j'ai envie de suivre le récit sans peine, rien trop ardu, merci. Je désire une expérience équilibrée, ça a eu du niveau par défaut du jeu. Je me sens attaqué à affronter n'importe quoi. Difficile, c'est bon pour les chatons. Moi, je veux du cauchemar, je veux de la lutte et de la souffrance. Je veux me réveiller en tremblant au milieu de la nuit. Ah, t'abuses, toi. Non, on va aller en normal. Comme dit, on n'est pas fou, je découvre le jeu. C'est une des premières fois que je joue vraiment à un Assassin's Creed. Hein. Ça aussi, je tiens à le dire. J'ai jamais vraiment touché à ces jeux-là. Et donc là, c'est une des premières fois, quoi. Donc, on va aller en normal, hein, tranquillou. Ah, faut rester appuyé. Allez, c'est parti. Au pire, je pourrais toujours changer la difficulté si vraiment. Mais voilà. C'est parti les gens, nouveau let's play sur la chaîne, c'est cool. Surtout que c'est pas de la merde. Et bien sûr, il y aura aussi sûrement un let's play sur Odyssey quand il sortira en fin d'année. C'est quasiment sûr même. Parce que sûr et certain, il est spartiate et tout. Vous savez que je suis là, hein, avec le let's play sur Spartan Total Warrior. Tout ce qui est spartiate et tout, je suis chaud. Hein. Mais voilà, l'open world et tout de ce Origin m'a trop donné envie quoi. L'open world et le côté RPG. Bien sûr, j'ai mis les voix en français. Hein. Un an plus tard. C'est toi le Medjay de Siwa. Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek. On te trouvera.
te trouvera dans ton sommeil. Oh le bâtard. Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Ah. Ah, il a pas volé celle-là. Ah, en tout cas, graphiquement, il a l'air sympathique, hein, le jeu. Ok, donc c'est parti. Verrouillé. Ton maître était un meurtrier. Ta vie m'appartient. J'ai juré de te protéger. Ok. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Oh, oh, attention, attention, ouais. Je découvre le jeu, mec. Vas-y, mollo avec moi. Vas-y, mollo. Tu es rapide, Medjay. Mais moi, je suis puissant. Ah ouais, t'es puissant. Ok, c'est comme ça, faire des roulades et tout. Allez, moi je te démonte, t'es mort. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. Ah, je suis le dernier. C'est moi le seul, l'unique. Oh putain, oh putain, oh. Oh. Bon, j'ai l'impression de pas avoir de vie, mais détends-toi quand même, quoi. Et ça, c'est ce qui s'appelle tomber avec panache. Oh putain, ouais. Espèce de fou, je vais te démonter, t'es mort. Ok. C'est pas une arme brisée. Ok, là j'ai de la vie. Là j'ai de la vie. Cet endroit servira de tombe à l'un de deux. R2 pour percer bouclier. Ok. Allez, mange tes morts. C'est pas toi que je jurais de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Ouais, ouais. Tant pis. T'inquiète, j'esquive, j'esquive, j'esquive. Oh, oh. Ouais, oh. Hé, salaud. Ah, je vais te démonter, Hippatos. Je vais te faire ta fête. T'es trop lent, je suis trop puissant, moi. Ouf, oh putain, attention. Oh, oh, oh. Hé, calme ta joie, calme ta joie, calme ta joie, calme ta joie, calme ta joie. Ouais, 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 calme ta joie. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, oh oui. Oh, tu l'as bien senti celle-là. Pour libérer un pouvoir spécial. Oh. Oh oui. Ah, c'est bon ça. Yes, Anubis, le dieu de la mort. Ah, ça c'est une bonne référence. En même temps, hein. What? Ah, je m'en fous de lui. Dégage. Moi, c'est les armes que je veux. Putain, on peut porter les cadavres. Ah, de la bombe. Allez. Aucune issue. Ouais, j'avoue, je me casse par où. Ah, mais je remonte, mais je suis con. On a Assassin's Creed, c'est un Assassin's Creed, donc du coup, on peut monter au mur. Allez, vas-y, monte. Yeah, comment tu fais pour monter? Ah non, il peut pas monter. Ah, ok, ok. Ok, maintenez pour utiliser l'impulsion. Ouais. Ah, ok. Comme dit, j'aurai des vidéos de Rani-san, mais du coup, je m'en souviens plus, ça fait un petit moment. Sûrement de quelque part. Ouais, donc du coup ça veut dire qu'il y a peut-être un passage par ici. Nice. Ah, en tout cas ça a l'air vraiment cool les gens. Ah, un open world et tout. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Faire des quêtes secondaires ou la quête principale. Ok. Vas-y, prends la... Vas-y. Non, non. Comment il fait pour aller? Oh. D'accord, il peut siffler. Ah. Ok. Bon, je sais pas comment j'ai fait, comme d'habitude, hein, à chaque début de jeu, il faut que je m'habitue aux touches, quoi. Vas-y, pose ton bouclier, t'inquiète. Faut que je m'habitue aux touches et tout, parce que c'est toujours galère au début, mais après, comme dit, hein, c'est comme pour Attack on Titan 2, hein, on s'habitue. Ah, la petite torche et tout. Putain, on est dans un genre de temple, là, dans une genre de pyramide. Enfin, plutôt un temple, parce que vu la largeur, là.
Là c'est vraiment le tutoriel hein, comme dit. Donc j'ai pas téléchargé le jeu en entier. Il y a plusieurs siècles. J'ai pas téléchargé en entier le jeu, il reste encore une bonne partie à télécharger, mais je peux déjà le lancer en avance quoi. Ok, ah bah il y a marqué l'impulsion de je sais pas quoi là. Donc ça c'est vraiment pour détecter certains endroits où on peut aller et tout, c'est ça? Oh, là. Ok, ah oui, c'est vraiment, il y a des items et tout. D'accord, oh oui, 6 pièces d'or, ça c'est cool. Allez, vas-y, récupère le bifton. J'ai besoin de ça. Ah, tu t'en bats les couilles, hein, tu pardonnes personne. Pour courir. C'est comment pour courir? Il peut pas courir avec la torche ou... Vas-y. Ok, vas-y, saute. Ouf, oh putain. Eh, fais pas le con. Hein. Vas-y, on va utiliser l'impulsion. Apparemment, ça a l'air plutôt illimité. Et ça nous permet de voir où il y a des items. Donc. Ah oui, oh, putain, il y en a plein là-bas. Waouh. Alors attends, on peut aller à gauche ou on peut escalader? Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, on va descendre. Là, je pense qu'il y a surtout des items. Ah, vas-y, descends. Ouh. Ok, on va descendre tranquillou. Je sais pas de combien de mètres il peut descendre sans se faire mal, mais on va aller tranquillou quoi. Des anciens. Vas-y, lève-toi. Ok, donc du coup, c'est rond pour se lever et tout. Et se baisser. Donc là, j'ai vu des items. Donc voilà, on peut repérer où se trouvent les items, mais c'est pas éternel quoi. Alors là, là, y a plus rien. Ok, y a encore des trucs là. Nickel. Allez, vas-y. Ça fait du bifton là. Du bifton. Alors, bien sûr, j'ai pris. Je vous ai dit que j'ai payé le jeu 40€ et tout parce qu'il était en promo. Mais il y avait la version deluxe à 45€. Donc, bon, vous savez comment je suis. Et ben, j'ai décidé de prendre la version deluxe à 45€ quoi. Et du coup, ben, normalement, j'ai des petits trucs en plus. Et donc, on verra déjà bien ça plus tard au fur et à mesure de l'aventure. Ok, on a déjà plein de pièces. Là, j'ai brûlé la toile d'araignée, il me semble. Bon, il y avait un autre passage là-bas, du coup je sais pas trop par où passer. Je sais pas si je vais au bon endroit ou non. Non, je pense que là je suis vraiment allé dans l'endroit où il y a plein de pièces quoi. Et ça c'est cool. Parce que du coup je me fais le masse de thunes. Et au moins après je pourrais m'acheter des armes et tout. Ok, du coup on se taille par là. Nickel. Ah, en tout cas je kiffe ça, hein, l'open board, l'exploration et tout. Et surtout, voilà, tout ce qui est Assassin's Creed, hein, grimper dans des endroits et tout, c'est de la bombe. Assassiner des personnes. Alors... En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce let's play, hein, comme dit, hein, c'est vraiment... J'avais vraiment plus trop de jeux, en fait, c'est ça le truc, genre Fortnite, ben voilà, à force, ça gagne un peu. Ensuite, après, j'aurais bien eu... Rainbow, là aussi, c'est pas ma période. Attack on Titan 2, je l'ai terminé. Bah du coup, bah, il me fallait un autre jeu, quoi. Et là, j'ai vu que le Assassin's Creed Origin était en promo. Et comme dit, vu que je l'avais déjà en tête, je me suis dit, allez, il est en promo et tout, donc on va le prendre. On va se faire plaisir. Ah, pardon, non, ah non, ok. Ah, il peut lancer. Ok, on peut taper avec la torche. Par contre, on peut pas allumer les trucs. Alors, j'explore, les gens. Hein. J'explore. Ah ouais, elle a du fer, des pièces d'or. Faut vraiment tout prendre. Hein. Faut tout prendre. Hein. C'est sûr, après, je vais encore me retrouver dans des situations où je serai un pauvre, sans thunes. Mais bon, allez, on va cette fois-ci remonter le pilier, mais cette fois-ci, on va aller là où on pouvait aller avant. Alors ouais, ça c'est le bouclier, ça c'est tapé. Donc vas-y, pose ton bouclier. Et courir, du coup, c'est quoi? Ok, ça c'est un gros coup du coup. Comment tu cours? Ok, ça c'est pour truc. Ok, bon. Écoutez, on verra bien. Tu vas pas me dire que c'est comme ça que tu cours quoi. C'est pas possible, on peut aller plus vite. Alors, voilà, tu grimpes. Ok, tu passes par là. Voilà. Ah, bien sûr, hein, des phases de jump. C'est l'Assassin's Creed. Et ça fait plaisir. Là, on se rapproche de la surface, les gens. De l'open board. Ah, là-haut. De la lumière. Nickel. Ok, on laisse la torche comme ça. Ah, les gens. La lumière. On va pouvoir redécouvrir ce monde immense qui nous attend.
Ah, ça va être trop cool, hein. J'ai tellement hâte. Ah bon, il y avait encore des trucs là-bas apparemment, mais bon, écoutez, hein. Là, on va monter, hein. On va monter, on va monter. Hein. C'est parti, là. Allez, ah, c'est beau, ça. Vas-y. Ah là, c'est bien, ça escalade, escalade. Ok, donc là, on est sur la tête de Rai, me semble. Et on retombe juste ici. Ce mur. Ah, ouais. Il est fissuré, il y a une petite fissure dessus là et on peut le démonter. Oh, oh, y a des gens dehors. Franchir la paroi. Oh. Ah, c'est trop stylé les gens, on est dehors enfin. Et apparemment. Bien entendu. Et apparemment, il va y avoir des gens. Vite, ils sont en train de tuer mon pote. C'était quoi? Meurs. Mort. Enfoiré. Pas. Attention. Voilà, moi je vous démonte. C'est toi? C'est ah. J'avais deviné. Voilà le Medjay. Ah ouais, c'est moi le Medjay. Je vous démonte tous. Oh, oh. Déjà être mort. Ta gueule, c'est ton pote qui est mort. Allez, cool team. Ah. Voilà, dans tes dents, salaud. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Ok, donc je pense que le but, ça va être de démonter les mecs qui portent des masques. Parce que nous, on est racistes de ces gens-là. Allez, on appelle notre monture. Ah, te voilà, toi. Nickel. Allons-y. Donc ça aussi, normalement, avec le Deluxe, je devrais avoir une monture spéciale avec la vie est très le pack Deluxe, là. On verra bien. Chance, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent. Ah, on est enfin dehors, les gens. Regardez-moi cet open world qui vous attend. Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Bon, j'écoute un peu les dialogues, bien sûr. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Zeni. Ah, j'espère qu'on pourra se raser, par contre, parce que la barbe, là... Wow. Il va y avoir tellement de villes à explorer, tellement d'endroits à visiter... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Allez, démonte le village, quoi. C'est ça, le pire. C'est vraiment des enfoirés, hein. Je vais tous les déglinguer, moi. Même si, je vous avoue, j'aimerais bien voir si on peut tuer des villageois, quoi. Juste pour voir, quoi, si c'est possible. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Nouveau lieu découvert, Siwa. Ah. Regardez, il l'oasis et tout, les bateaux dessus. Ça a l'air vraiment cool, hein. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je pense qu'on va bientôt s'arrêter, mais on va d'abord voir là où est-ce qu'il nous emmène. Ah, vous croyez tout ce que vous possédez, vos fermes, vos biens, vos enfants, vos vies elles-mêmes, vous les devez à Ptolémée, le bienfaiteur, roi des deux terres. Ouais, je sais pas pourquoi lui je sens que c'est un connard, quoi, donc je le buterai juste après. Ça c'est déjà fait. Ouais, apparemment c'est... vécu un martyr. Ouais, ouais, c'est ça, personne c'est une dictature, quoi. Ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Oh. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Ah, ok, je comprends mieux. Que je te mens pas, oh putain, merde, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Comme dit, je connais pas encore les touches, je voulais accélérer, mais... Putain, j'ai failli foutre un coup d'épée à un mec. Hop, pardon, excuse-moi.
Ah, en tout cas, c'est ça que je kiffe, quoi. C'est vraiment découvrir des endroits et tout, et voir autant de villageois comme ça qui font leur vie tranquille, quoi. On s'y croit vraiment, quoi. On est vraiment immergé dans le jeu. Et c'est aussi une des raisons qui fait que je voulais l'acheter, quoi. En plus, ça, c'est que le début, hein. Là, on a un stuff de merde et tout. Bientôt, je vais devenir un putain d'assassin, quoi. Un vrai dieu. Et ça, j'ai trop hâte. Oh, ça, c'est des enfoirés, ça. Ah, je vais tous les démonter, comme dit, hein. Alors, où est-ce qu'il vous emmène, là, le mec? Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medunamun, prêtre du pharaon. Ouais, tous ces endroits-là, je vais... C'est notre Bayek. Ouais. Je vais tous les démonter. Rien ne m'attend là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Dès qu'ils me laisseront faire ce que je veux, je vais retourner dans le village et je vais tous les démonter, quoi. Ok. Je te jure, hein. Dès qu'ils me laissent libre, je vais tous les démonter. Je vais libérer ce village. Alors, on est chez toi, mon pote, c'est ça? Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, je n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Hepzepha! Hepzepha! Les soldats ont encore... Bayek! Rabia! Ma Rabia! J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Regarde-toi. Des bleus, des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné ou menti à vos parents? Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Moi, j'avoue que je ressemble plus à rien avec toute cette cicatrice et tout, ce sang partout. Je ressemble clairement plus à rien, quoi. Elle a pas tort. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Ok, donc là c'est un entraînement à l'arc. Ah, ça va être cool aussi l'arc, hein. Oh putain. Et en plus on voit la barre rouge et les dégâts qu'on va lui faire, quoi. Ah oui. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Tu peux trouver d'autres flèches là-bas. Nickel. Ah, je sens que je vais aimer l'arc, hein. Oh putain, je vais leur foutre de ces flèches en pleine tête. Ah, ils vont morfler ces salauds. Hein. Ah, je vais faire des attaques et tout. Bien. Hepzepha! Qu'est-ce qu'il y a? Des soldats viennent te chercher! Allez! Viens, vite! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hepzepha! Nous venons seulement discuter! Ouais, mon cul. A été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. On va aller déglinguer leur mère. Nek, ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ok. Il va falloir les buter un par un. Un ennemi vous détecte. L'ennemi va s'approcher et enquêter. Quoi? Qui est là? Baisse-toi. Oh putain. Un peu trop. Ouais. Et là on fait comment, mec? Le mec, dites-nous, quoi. Moi je suis pas joué encore. Lorsque la barre jaune, vous disposez d'un peu de temps pour éliminer l'ennemi avant qu'il vous attaque. Merci, quoi. Maintenant, putain, j'ai flippé.
Ok, c'est parti les gens. Oh putain, enfin une mission assassinat là. Quoi? Pour siffler la terrisse ennemie proche. Par la gloire de Ré, mais il est con. Il est con. Planque-toi. Mais genre, genre il a pas vu quoi. Allez, viens là mon ami. Voilà, mange tes morts, salaud. Ça c'est pour moi ça. Alors là, il faut agir minutieusement. Voilà, je l'ai vu qu'on pouvait monter là du coup. Personne ne le verront pas ici. Attends. J'en ai aucune idée mec. Laisse-moi faire là, j'improvise, je sais pas trop ce que je fais. Je ne veux pas de surprise. J'espère qu'il y a personne. Voilà. Ah c'est tellement beau les gens, on les bute tranquillou. Pitié, dites-moi qu'il y a personne là. Ok, il y a un mec juste là-bas. Ok, il y a un mec là. Allez, on l'attire. Bien, rentre ici. Hein, rentre ici, salaud. Merde, il y en a un autre qui arrive. Attends, il y en a un autre qui arrive, non? Ah non, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur là. Ta gueule, t'es mort. Oh ouais, faut cacher les corps, il a dit. Ouais, mais là, on s'en fout, lui, Là, il en reste deux, là. Il va pas me voir dans l'herbe. Ah, c'est trop cool, ça. J'ai démonté un par un, là. Il reste plus qu'un salaud, là. Allez, et tu meurs. Voilà. Easy. Ok, pour retourner voir notre pote. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, quoi. Je sens qu'il va se passer encore un truc. Parce que le dernier des salauds là, je sais pas où il est là, lui qui parlait, qui disait tuez-les tous. C'était le dernier. Merci Bayek. Je t'avais dit que ces Neket Yadet se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Par contre, tu m'expliques pourquoi l'autre là-bas il est pas mort? L'autre il est pas mort là-bas, il est au sol. Faut le buter. Bon, on regarde ça et on s'arrête là. Sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Très bien. Merci pour l'info. Je vais le trouver et je vais le tuer. Mais Dunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins, une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie. T'inquiète pas, mon pack de luxe me permet d'avoir des putains d'armes. C'est nous, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Ah, c'est le fameux aigle. Ah, ils sont tous contents. Ok, c'est bon, est-ce que je suis enfin libre maintenant? Et bien sûr, on gagne des niveaux et tout. Très bien. Il y a plein de nouvelles quêtes, il y a plein de nouveaux trucs. Ouais, t'inquiète, je regarderai tout ça plus tard. Maintenant, on va s'arrêter là, les gens. Du coup, bah, je peux toujours pas bouger, bon.
Bon, on va se laisser là les gens, bon, j'espère que vous aurez aimé les gens ce premier épisode de ce let's play sur Assassin's Creed Origin, voilà. Vraiment le let's play pour qu'on puisse ensuite, en fin d'année, hein, en octobre, enchaîner avec Odyssey et tout. Voilà, donc j'espère que vous allez bien kiffer. Du coup, moi, là, hors vidéo, je vais m'occuper de tout ce qui est level up et tout, voir comment ça se passe, enfin level up. Je vais mettre des aptitudes, je vais voir comment ça se passe pour le pack de luxe que j'ai normalement. Enfin voilà quoi, je vais bien me préparer ensuite après quand on se retrouvera pour la deuxième partie. Et ben là on commencera direct une quête. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao !